Salut à tous, c'est Aquasi, c'est aujourd'hui, je suis en compagnie de Kiox Misetsu. Salut les amis. Hello ladies and gentlemen, c'est Misetsu. T'as du poil sur la barbe. Et on se retrouve donc pour la suite de Flag Wars, donc notre série PVP. Alors il faut savoir que l'épisode 1 était relativement mauvais, il faut comprendre. On a eu quelques soucis d'organisation, de bugs, etc. Ce qui fait que on devait faire une intro RP de 5 minutes, on s'est retrouvé à en faire 26 minutes de RP pourri et mauvais avec Kiox et ses bugs, et moi essayer de justifier un peu tout et n'importe quoi. Donc pour ceux qui l'auraient compris en vue du titre du premier épisode, c'était donc bel et bien Flag Wars, hein, donc notre émission PVP. Pour tout ce qui est des règles, comme vous le savez, il suffit donc de voir la vidéo qui aura été faite, parce que nous on l'a pas encore fait pour le moment, spécial règlement. Et puis après, ben, pour tout le reste, ben voilà, hein, c'est suivre nos conneries, nos fails, etc. Exactement. Alors cependant, donc là c'est quelque chose qui vient de se décider. On va travailler en set home. Alors après, je ne sais pas, est-ce que vous avez établi votre set home? Non. Voilà, mauvais réflexe, un point en moins pour chacun. Allez hop, vous remontez à la taverne et vous faites votre set home. Attendez, puisque Ladybug étant donné la taille de la map. Enfin, un truc comme ça en tout cas. J'agrandis un peu parce que là sinon on voit pas. Voilà. Allez, salut à tous. Regarde de lui. Le seigneur. Oui, je suis Rola. Je viens vous donner la composition du premier drapeau. Ah. Alors, ce premier drapeau sera constitué de. Des lames de l'équipe. Alors, il fera 3 de haut, 4 de large. Et donc il y aura les. Alors il faudra mettre la couleur de l'équipe en laine, plus un bloc de briques et une jack-o'-lanterne. Briques et jack-o'-lanterne. Oui. Ok. C'est noté. Les blocs de briques et la jack-o'-lanterne doivent être au milieu. Donc entourés des blocs de laine de l'équipe. Ok, merci Bouffon Oracle. Merci. Non, bonne continuation à vous. Moi aussi. Bouffon oracle. Bah c'est comme ça qu'il s'est défini, hein, c'est pas moi. D'ailleurs. En fait, Kiox, Oui. Tu dois avoir très faim. Et moi donc je suis à l'article de la mort. Par contre, est-ce que quelqu'un peut prendre note des deux blocs à utiliser? Ok. Donc alors en fait les amis, je réexplique grossièrement ce qui va se passer. Donc nous sommes le groupe des aventuriers, alias les ivrognes pour Bill, puisque nous sommes donc dans la taverne, et notre objectif donc va être de récupérer la forteresse pour pouvoir enfin vivre les doigts de pied en éventail jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes donc l'équipe jaune, et notre but va être de récupérer des forts. Voilà pour l'essentiel. Sinon, ben, je propose qu'on se dépêche parce que là, je trouve qu'on est relativement lent et on va perdre du temps. Parce que bon, oui. Je sais qu'on va pas gagner, c'est obligé. Nous sommes tellement pourris, c'est. On est tellement mauvais que ça va pas être faisable. Ceci dit, donc Misetsu, qu'est-ce que tu fais là? Je vais aller chercher de la nourriture. Je te propose, tu cherches de la nourriture, si tu peux trouver, si tu peux pas trouver une citrouille pour la jack-o'-lanterne. Je vais totalement me perdre si je cherche une citrouille. Non, mais quand tu cherches de la bouffe, si tu regardes un peu autour de toi. Ah d'accord. Oh, j'ai trouvé des champignons. Parfait. J'avais déjà ramené deux champignons. En plus. Moi aussi j'en avais ramené. Ah, j'ai faim. Mais IRL quoi. Et IG aussi. Les deux. Oh, ça m'énerve la IRL, la fête de la mer. Ah va, putain, sois sociable, je sais pas, moi, il y a une fête de la mer, moi, je suis content qu'il y en ait une. Je suis désolé, mais tous les ans, quand tu peux pas filmer, parce que t'as des... C'est la première année que tu filmes. Oui, mais même, quand t'as des espèces de tambours qui t'énervent toute la journée, à faire toujours... Oh là là, fais pas ta vieille mamie, là, qui est emmerdée par le bruit. Bah oui, mais c'est tous les ans, là, j'en ai marre. Yeah, moi, je suis niveau 2. En plus, ça fait vibrer le sol et tout, toute la journée. Oh, pauvre chou, comme si les choses vibrantes étaient un problème pour les femmes. Je prends de la laine ou pas? La laine, non, laisse-la pour l'instant, laisse-la là.
Ah, la laine des moutons, bah peut-être. Oh putain! Bah oui. Oh, la peur que j'ai eue! Quoi? Ben, comme je suis descendu à un certain sous-palier, d'un coup, t'as tout le fond qui s'est mis en, tu sais, en espèce de brouillard, et tout d'un coup, c'est un gros truc blanc qui apparaît, ça m'a foutu la trouille. Oh là là là. À quoi si c'est un trouillard? Mais non, mais d'un coup, t'as un gros machin blanc. À quoi si c'est un trouillard? Ta gueule. Et ta mère, c'est une trouillarde. À quoi si c'est un... Putain, oh merde. Wouch. Abîme. Bon, bah, y'a du creeper, donc je vais éviter d'explorer, sachant que j'ai qu'un cœur et demi. Et zéro de bouffe. Je déteste la pluie. Et j'ai eu un nonos. Au passage, tu vois, Missesou, je t'avais dit qu'on aurait peut-être eu besoin de briques, finalement. Ouais, c'est de la brique. Ah ouais, en plus c'est de la clé, je suis con, donc on n'a pas besoin de gravier. Le faire du gravier avec de la... C'est quoi? Ah, c'est un Enderman, bon. J'ai pas suffisamment de bouffe pour me permettre d'explorer, donc si je pouvais avoir un petit coup de main. Ok. J'arrive te retrouver. Bah de toute façon, moi là je vais m'occuper de faire chauffer tout le fer qu'on a récupéré. Ah, je vois de la clé. Je vois de l'acné, j'ai là. J'ai compris, j'ai vu, j'ai compris, je vois de l'acné. Je me suis dit, qui c'est qui raconte? Oh, j'ai trop bien ce mode. Quel mode? Amputation. Oh, celui que j'ai présenté, quoi. Ouais. D'ailleurs que Guiloël a remontré dans un titre. J'ai trouvé du fer. C'était gentil de sa part. Yep. Oui. Oui. Oh, j'en peux plus d'avoir appuyé pour parler sur Mumble, c'est horrible. Oh, pareil. Non, ça me saoulait, surtout qu'en plus, moi, je fais attention, donc... Qu'est-ce qu'il a encore, le bouffon oracle, là? Je viens vous surveiller, c'est tout. Oh, l'autre, oui. Mais on est gentil. Cache les trucs en diams. Si seulement on pouvait en avoir... D'ailleurs, faut pas oublier qu'il nous faut qu'on en garde 5 pour en sacrifier à la cathédrale. Ouais. Ah, c'est pas 4? Non, c'est 5. Putain, quand tu... Okay. Ça va faire même pas une heure qu'on a commencé déjà, t'oublies les règles, mais... Kiox, sors les règles! Oh là là, c'est moi qui ai les règles. On est mort! Dites merci au roi pour avoir concocté ces règles. Qui là il se fait foutre. Genre de... À cause de lui, putain. À cause de lui, putain. T'as vu les conneries qu'on doit faire? Qu'il aille au diable, ce roi. Je prends son trône à coup de pied au cul. Pourquoi on doit faire des offrandes, hein? Mais c'est pour mieux l'honorer, bien sûr. Oh là là. L'honorer. Mais mon épée en diams dans son cul va l'honorer de toute sa grandeur. Bon, qui se sent d'avoir une pioche en fer? Waouh! Quel enjouement! Pas tous en même temps! Vous allez me renverser! Ah! Bah, moi! Ah, enfin, qui un peu de. Par contre, là. Ouais, par contre, j'éclaire juste. Je veux savoir où tu es. Ah, bon, bah, je commence à te rejoindre en descendant. Non, en fait, non, c'est mieux que tu viennes parce que sinon. Moi, je commence à avoir pas mal de ressources rares. D'ailleurs, je vais un peu en mettre dans les coffres parce que sinon. Le bouffon royal est toujours là? Bien sûr. Ah, voilà, je vais te poser une question. Enfin, de lui. On a deux curseurs sur notre map. C'est normal? Oui. Oui, ça, c'est quand quelqu'un ouvre la map en fait. Ah, je vois. Donc en gros, ça veut dire que les amis, on a quelqu'un qui est à côté. Mais quand je dis à côté, c'est genre à côté. Il va falloir faire attention. Bah alors, c'est peut-être moi. T'es en train d'ouvrir la map. Putain. Saleté de bouffon, racle pareil que son roi. Vous êtes des raclures. Oh, il y a un bébé cocotte mais d'ailleurs. Non, mais non, mais normalement, ouais, j'ai pas la bébé map. Cocotte, là. Là, j'ai supprimé ma map. Donc, effectivement, il n'y a plus rien du coup. Ah, donc c'était toi qu'on voyait depuis le début. Ah, moi et moi qui stressais. Mais alors attends, pourquoi t'étais en train de tourner comme une toupie pendant plus d'une demi-heure sans rien faire? Où ça? T'étais vers le nord de la map. J'ai vu, il y avait un curseur, il tournait tout seul pendant je sais pas combien de temps.
Bah, je suivais Quoi? les. Je faisais rien de spécial. Je crois que notre bouffon ne fait pas très bien son travail ici. Bon, Kiox, si, tu t'es si. Perdu ou quoi? Bon, non, je suis remonté. De sel. Mais tu es où? Mais. Ah putain, je t'ai pas vu. Attrape Kiox! Kiox! Attrape! Kiox! Kiox! Attrape! Attrape! Ouah! Et le bouffon royal s'en est allé. Bon, je vais repartir au fond. Ah, meuf, toi bien! Merci. Encore une fois. J'ai amené un max de fer. Nickel, ben je propose qu'on commence à se faire des armures. Combien? Oui, bah fais des armures pour nous. Une trentaine, j'en ai ramené. Une trentaine, ça fait. Bah, pour l'instant, il y a 30 lingots de près, donc là je commence à faire des casques. Fais des plastrons d'abord, non? 3 plastrons, pas assez. T'es où, Kiox? T'es descend... Oh, je crois que j'étais là, en... Je suis... Ok, pour l'instant, on a ah, deux, on a trois casques et deux plastrons. Ouais, t'es dans la mine, mais bon... À chacun? Ah... Bah... Je suis là. Ah, bah t'es là. Est-ce que tu peux me passer du... Des torches, s'il te plaît? Excusez-moi, je pille dans la bouffe, mais j'aimerais bien remonter ma vie, là, parce que ça fait un petit moment que je suis un peu dans le rouge. Bah vas-y, c'est fait exprès. Est-ce que je peux... Poulet prendre des torches, s'il te plaît, Kiox? J'en ai pas beaucoup. J'ai 32 torches, je vous les amène. Oh, ah, il merci. A dû faire, là. Voilà. J'ai laissé toutes les pièces d'équipement dans le coffre, hein. On les prendra quand il faudra qu'on partir pour notre quête. De toute façon, dès qu'on a le stuff en fer complet, on y va, hein. Il faut pas... Oui. Ah, il faut préparer aussi de quoi faire le drapeau. Donc il faudra qu'au prochain lever de soleil, quelqu'un se charge d'aller chercher ben voilà, simplement de la citrouille en utilisant la carte qu'on a. J'ai du diamant. Excellent. Non, putain. Je rigole. Non, mais sois sérieux, c'est un jeu sérieux. Bordel de sérieux. Un jeu sérieux. À la base, dans un jeu, oui, on doit s'amuser, oui, donc oui. Pas être sérieux. J'ai trouvé du fer. Oui, bon, d'accord, c'est d'accord. Mais il faut quand même qu'on essaye de gagner, quoi. L'autre, il joue pour... Non, c'est pour le plaisir des abonnés. Bah, je sais pas, moi, ils préféreraient avoir une équipe qui gagne. Tu veux qu'on se dispute? Ils aiment bien qu'on se batte de toute façon, hein. Raison de plus pour qu'on se batte bien. Ok, alors moi là je suis au fond encore, là, il y a personne qui est venu au fond, putain. Oh bah je suis le seul à être tout au fond, tout au fond, fond. Ouais. La bedrock? Pas la bedrock, mais pas loin quoi. Hmm. Oh, diamant! Vraiment du diamant. Ah non, je suis à 22. Oh, t'as vraiment une... Mais sécurise! Sécurise! Il y en a au minimum 4, 5. Wow, mais là les petits vous me faites plaisir là. 6! Non! Il y en a 5! Oh yeah! Remonte vite, remonte vite, remonte vite! Ok, donc moi là, depuis tout à l'heure, je. Ah, il faut pas aussi penser à prendre un seau avec de l'eau ou de la lave. On pourra toujours en avoir besoin. Ouais. Et de la lave? Pourquoi de la lave? Je ne sais pas, ça pourra toujours être utile. J'entends de la lave! J'entends de la lave, j'ai mis une puce. Récupère du fer. Mais de toute façon, là. Ouais. De l'or, c'est pas grand chose, mais bon. J'ai 21 fer, moi. De l'or. De l'or. C'est trop bling bling. On sera bling bling. T'as une idée de la... Est-ce qu'on a le droit de placer des blocs? Je sais plus. Du moment qu'on peut en casser, hein. Oh, l'autre revise la batterie et tout. C'est vraiment un gruyère cet endroit. Redstone. Ouais, bah, c'est bien. Ouais, on va pouvoir sniffer la red. Trop lol. Ah, bah, oui. Je sais pas, on est des aventuriers, on est censé profiter des plaisirs de la vie, quels qu'ils soient. Allez, viens, mis cette sombesse. Je plaisante. Okay. Non.
Non, non. J'ai trouvé de la lave. Bravo. Il dit putain, lave, je suis niveau 4 déjà avec tellement de minerais. Je suis niveau 8. Mais toi, toi c'est ta maman qui t'a fait monter des niveaux. Non. Le clash de merde, c'est ouais, c'est you mama joke. C'est le clash le plus simple, le plus stupide, qui ne sert à rien et pourtant qui marche le mieux. Quelqu'un faudrait... J'ai tellement de charbon. C'est ça qui est chiant avec le charbon. Au début t'en as jamais alors que t'en as besoin et après t'en as toujours trop. Trop Ouais d'accord, bon. Oh, il a une cocotte. Yii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 i
Hop, bon bah en attendant, je vais pouvoir m'équiper. Ah bon, il semblerait qu'en fait qu'il y ait un problème de connexion Mumble. Nous, je vais donc essayer de meubler pendant ce temps-là, mes chers amis. Alors, fini l'épisode comme ça. Ok. Ah, je vais appeler les deux autres là. Ah. Bon, alors vous vous demandez peut-être qui est Kiox, car c'est vrai que dans la chaîne vous ne l'avez pas encore vu, pour ceux qui me suivent. Eh bien, il faut simplement savoir que Kiox est une personne que je connaissais du serveur A2PO, au même titre que Misetsu, et qui est très gentil lui aussi, donc voilà, c'est quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai pris à la légère. Il s'est proposé quand j'avais lancé les candidatures, et vu que je le connaissais, pour moi c'était très pratique. Bon, en attendant, vous allez pouvoir m'admirer dans ma grande classe, dans ma sublimissance, dans mon magnifique... oui, j'ai l'air très aventurier, je sais. Donc j'ai pris la bouffe. Je vais peut-être essayer d'en trouver encore un petit peu dans le coin. Je vais prendre la carte en attendant et je vais m'occuper d'aller peut-être chercher une citrouille. Parce qu'on en a besoin, je ne sais pas pourquoi exactement. Très bien. Hop, on va prendre la carte. Et on va tenter... Hop. Bien. Alors, c'est parti, on va un peu explorer. Ah, je vous retrouve, enfin. La chaussure qui respire. Perdu. Pardon. Dans les... Ah, ça me fait du bien quand même. Hein. Ben, que le Mumble revienne. Depuis tout à l'heure, j'étais obligé de meubler tout seul. Alors, comme je disais, je vous ai préparé un équipement pour chacun. Vous avez ramené vos miches et récupéré votre équipement. Théo. Et voilà, ils ont récupéré un fort déjà. Mais bougez vos culs. Bah oui, mec, non, je t'en supplie, Misetsu. Ah, et bien, il semblerait qu'il va falloir qu'on s'arrête là. Donc voilà, les amis, c'était Aquasis, Kiox et Misetsu pour la suite de Flag Wars 2. Enfin oui, parce que c'est la deuxième saison, pour en tout cas pour Bill. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que Misetsu a aussi une chaîne. Elle ne le diffusera pas sur sa chaîne, mais vous pouvez avoir. Kiox, t'as pas de chaîne, toi, non? Kiox. Misetsu? Bon, bah tant pis, je fais ça sans vous. Putain de ta mère, c'était... Répondez, il faut dire au revoir. Mais on peut pas. Non, mais... Mais on peut bon, bah, pas. Dis au revoir au moins. Au revoir. Merci, à plus. Salut.